Avant d'essayer de répondre à cette question, je voudrais faire une remarque préliminaire sur le caractère totalement artificiel de cette situation. Je ne sais pas qui regardera ce que nous sommes en train de filmer ou d'enregistrer, mais je voudrais souligner, au lieu de les effacer, ces conditions techniques. Ne pas feindre la naturalité là où elle n'existe pas. J'ai déjà commencé à répondre à votre question sur la déconstruction, parce qu'un des gestes de la déconstruction consiste en particulier à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel, comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, par l'institution, par la société, était une donnée naturelle.